Un référendum risqué aux Pays-Bas. Les Néerlandais doivent se prononcer ce mercredi sur le traité d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Un scrutin qui sonne plus largement comme une consultation sur la politique du gouvernement et sur la légitimité de l'Europe, 2 mois avant le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. J'ai le sentiment que les gens qui veulent ce référendum ont un programme bien différent de la question sur l'Ukraine. Ils veulent sortir de l'Europe et je suis farouchement contre cela. Une consultation à l'initiative de citoyens et de mouvements populistes. L'extrême droite brandit la peur de l'immigration et d'une Europe jugée toute puissante. Je pense que ça aura un impact énorme à la fois sur le référendum au Royaume-Uni qui a lieu plus tard dans l'année, mais aussi sur les autres pays qui pourraient ne plus accepter l'Union. Le traité d'association avec l'Ukraine, entré en vigueur en 2015, semble ici bien loin des enjeux. Qu'est-ce que ça peut faire s'ils rejoignent l'Europe ou pas ? Au sein de notre famille européenne, je n'ai pas assez d'informations pour savoir si cela aurait un effet sur l'Union et je n'en ai aucune idée. Un taux de participation de 30% est nécessaire pour valider le référendum. Si les électeurs devraient être nombreux à se rendre aux urnes d'après les derniers sondages, l'issue du vote, elle, reste incertaine.